Non, mais... Alors, homme-femme, ça sert à quelque chose? Ça répond à quel cahier des charges homme-femme? Non, non, mais homme-femme, ça relève d'une catégorisation, t'as raison. Bah alors, allons-y, mais là, je me lance. Hein. Je... Bon, tu garderas que ça te plaît. Ouais, ouais, ouais. Oh, bah tiens, d'ailleurs, ça c'est... Non, ah non, c'est toujours allumé, c'est bon. Okay. Est-ce que hommes et femmes sont des catégories? Oui, oui, bien sûr. Hommes et femmes sont des termes génériques pour désigner des catégories d'humains. Après, la question est de savoir si on transpose dans le champ social des divisions qui semblaient relativement bien cadrées dans le champ biologique. Alors il y a le problème des bords absorbants. Il y a bien un standard biologique au masculin et un standard biologique au féminin, mais quand j'ai dit standard, ça veut dire que j'ai déjà gommé les bords de courbe de Gauss. En fait, il y a biologiquement parlant de l'indifférenciation sexuelle, mais cette indifférenciation sexuelle, elle ne touche qu'une minorité des membres d'une espèce, chez tous les vertébrés, hein, hommes compris, enfin hommes et humains compris, pardon. Après, la question qui est chaude et socialement chaude, c'est de savoir s'il faut transposer une moyenne dominante biologique vers une moyenne sociopolitique. Évidemment, la question là, elle n'est plus scientifique, elle est morale et politique. La construction sociopolitique du genre, elle a toujours voulu chercher à se légitimer en biologie, mais on sait que le droit et le social ne se déterminent pas en biologie, et certainement pas que en biologie. En tout cas, il est dangereux de vouloir naturaliser, en quelque sorte, le champ social. En particulier en termes législatifs, il est quand même dénoncé depuis le siècle des Lumières qu'on ne fait pas des lois avec des différences biologiques. Le législatif s'érige contre nature et pas avec la nature. Et donc il faut réserver la possibilité dans le champ social et politique et législatif le choix du genre que les individus ont décidé de vivre pour eux-mêmes. Il y a des hommes qui ont envie d'être des femmes, il y a des femmes qui ont envie d'être des hommes, il y en a qui ne savent pas trop où ils sont, et après tout, le monde biologique n'est pas binaire. Et une fois que j'ai dit ça, et alors, quand bien même le serait-il, il n'y a rien à tirer du biologique vers le social et le politique. Donc c'est des catégories biologiquement fausses. Les catégories hommes-femmes sont des catégories conventionnelles. Elles sont... C'est trop... Comment dire? C'est peut-être trop caricatural de dire qu'elles sont biologiquement fausses. Elles ne sont pas tranchées comme on voudrait les trancher en essentialisme. Le biologique est toujours ambigu. Dans les espèces, il y a de la variation. Chez les humains, il y a de la variation. Mais cette variation, elle est... Plus on s'éloigne sur les bords de la courbe de Gauss, et plus la variation est manifeste et spectaculaire, quelque part. Donc il y a toujours une dominante, en termes d'effectifs, j'entends, il y a toujours une dominante, et puis il y a des épiphénomènes sur les côtés. Ce qu'il faut veiller dans le champ politique et social, c'est de ne pas priver de leurs droits ceux qui sont sur les bords de la courbe de Gauss. Ah.